test son parce que je sais pas si ça va être bon. C'est parti pour l'opération chimie. Ah bah ça commence bien. Si on n'arrive pas à se connecter, ça va pas faire. Yes. C'est là que ça merde par contre. Opération Chimera. Dans l'opération Chimera, de nouveaux agents anti-menaces NRDC coopèrent pour aider à endiguer une mystérieuse infection qui a frappé une petite ville du Nouveau-Mexique. L'opération Chimera présente Lyon et Finca, les deux nouveaux spécialistes de l'unité anti-menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique de Rainbow, de l'équipe Rainbow. Ça en fait plein la bouche, hein. C'est quoi ça, bug, blabber? C'est quoi ces machins? Pour en diffondant masque à gaz. Par contre, on n'a pas la connexion, donc je vais pas pouvoir faire grand chose pour le moment. On va déjà voir les personnages, si on peut. Voilà. Il y a un nouveau truc tout en bas, notification. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau contenu. D'accord. Ça te dit tous les skins que tu as eu. Ça en fait un paquet, hein, parce que j'en ai plein. Wow, elle est stylée. Un moment sur le menu parce qu'il faut toujours mes packs. Équipement de tête RAS. Je vais monter. Ok, c'est les notifications.
va y avoir les défis du coup. Anniversaire Blackbird. Oh, elles sont stylées les plaques. Anniversaire Jagger. Oh, elles sont stylées les pendentifs. Ah, échappez-vous de la zone de quarantaine avec le défi Beast of Club. Remportez 5 parties de bras comme en normal pour débloquer le pendentif Chibi Écorcheur. Ouh, bon, on va y faire ça. Vous ne saperez pas. 200 sapeurs. 1000 points. Oh, les défis, ils sont pas mal. Hein. Trouver un remède contre le parasite avec le défi mission contre une partie toute break en mode pandémique. Pour débloquer le pendentif, ça... Oh putain, ça va être chaud, ça. Ça, c'est le multi, pistolet. Ah bah, les défis sont de taille. Hein. Tac, tac, tac. Ça, c'est tout débloqué. J'en reviens. Alors normalement, si tout va bien, j'ai 14 packs. Hein? Le chauffage. Pas coup de break, merci de jouer. C'est là le nouvel temps. Compensateur de contenu. L'accessoire compensateur va être ôté. Ah bon? Ben, y a intérêt parce que j'en ai acheté plein. Tac. Ils enlèvent les compensateurs. Oh, ils ont changé tout l'affichage. Ouais, c'est un mec du GIGN en plus. Équipement. V308. On va tout de suite aller s'acheter un point rouge. Une poignée. On va s'acheter un compensateur. T'es débloqué celui-là, donc on va pas le toucher. On va déjà mettre un acide d'amas, tac. Et on va mettre le chimie.
D'accord, il y a une clé mort et ça allait. Nickel. Équipement tête Fawar. Par défaut, RAS. Uniforme. Bleu marine. Ça c'est quoi? Chimera, peu courant. Wow, comme c'est stylé. Équipement. Forerus. Oh, il est sympa. Par contre, est-ce que ça m'a enlevé mes trucs? Non, c'est bon. On va aller voir la boutique. Je suis pas censé en avoir 4 gratos là. Ah, attends, faut peut-être lancer le truc.
pas mal là, hein? Ouais. Et s'ils sont asymptomatiques? Non, pas question. Si on accueille des patients qui ont l'air sains dans la mairie, on met en danger la quarantaine. Aidez-moi! Boyd? Oh mon Dieu. Non, ne le touchez pas. Nationale va rester en position jusqu'à l'arrivée de l'armée. Non, c'est pire. Bartlett, c'était de la rigolade en comparaison, Six. Je peux même pas dire si c'est du terrorisme. On n'a aucune juridiction opérationnelle ici. Trouver un moyen de leur expliquer qu'on n'est pas leurs ennemis. Même si c'est pas du terrorisme, on peut les aider. Envoyez Termite et Doc. J'ai besoin de l'un des Russes, j'expliquerai plus tard. Six, envoyez-les-moi vite avant qu'on perde tout contrôle. Le parasite est en train de faire un nid, et un gros. L'infection vient... Putain de merde! Jordan! C'est rien. Sérieux? Le briefing va commencer et toi tu démontes les explosifs? Calme-toi, Lisa. Je m'assure juste que tout est en ordre. Les nids sont la clé de la capacité du parasite à s'adapter à nos efforts de confinement. Ce truc, c'est vraiment une saloperie. À toi. Ok. Bien, avec les opérations en cours dans la zone, on ne peut pas lancer de frappe d'artillerie ou de prédateur. Donc, on va cramer le nid avec ses charges de nanothermite expérimentales, avant qu'ils se répandent partout. Je peux dire cramer, hein? Six m'en voudra pas, je pense. La cible est une station thermale. Peut-être qu'elle a un vaccin, hein? Peut-être qu'elle a un remède. Peut-être que je pourrais arrêter de travailler dans une tente de quarantaine remplie de clés morts et de C4. Je sais que t'es un humanitaire, mais là, tu peux pas te le permettre. Peut-être que t'as une meilleure idée. Parce que là, on arrive à peine à les contenir. Et je ne te parle pas d'une solution qui implique une bombe nucléaire. Je vous ai entendu. Ok. On essaye ton plan. On extrait le docteur McIntosh et on croise les doigts pour qu'elle ait des solutions pour nous. Merci. Trois jours avant l'épidémie, la NASA a repéré une météorite qui s'est écrasée dans cette zone.
On nous a confirmé qu'un dénommé Boyd Brooks a rapporté l'objet à la casse auto. Coïncidence ? Non. Il cherchait à le vendre en ligne. Voilà pourquoi je t'ai fait venir, monseigneur. Soviétique. C'est pas tout jeune. Attends. Je suis russe, donc je sais forcément quelque chose. Moi qui pensais que ça te ferait plaisir. La politique, c'est le boulot de Six. Le nôtre, c'est ce machin. C'est quoi le plan ? On arrive à pied et on fouille la zone. On commence par sa maison. J'ai pas mes packs. Vous prendrez un raccourci dans le sous-sol du patient zéro. Mais d'abord, vous allez devoir récupérer ces explosifs maison que j'ai largués près de votre position.
Charge localisée. Charge acquise. Bien, vous avez la charge explosive. Votre prochaine destination est la maison du patient zéro. De nombreux cafards approchent de votre position. Neutralisez tous les cafards. Yeah.
j'ai pas donné, ils m'ont pas donné les paquets. Merci pour ton follow, Baptiste. Gratuit avec la mèche et pour tout le temps. Oui, bien sûr. Les agents, tu les auras tout le temps. Même quand l'événement sera terminé. Quand l'événement sera fini, il y aura toujours les deux agents, il n'y a pas de souci. Quelque chose, c'est pas normal.